Bonjour à tous et bienvenue dans l'Unboxing. Aujourd'hui, on se retrouve dans la Sneaker Cave située entre Gotham City et Metropolis. Et la paire qu'on va vous faire découvrir, c'est une LeBron 8 South Beach. Voilà la paire. Sortie en novembre 2010, la LeBron 8 South Beach est bleu turquoise et rose. Elle est inspirée de la série Miami Vice et de l'atmosphère qui règne dans la ville de Miami. Le tout box et l'empeigne sont bleu turquoise avec des accents noirs sur cette dernière. La semelle, elle, est glow in the dark, une première sur un modèle b-ball. C'est un empiècement de cuir et de flyware qui compose l'empeigne. Le tout box, lui, a été conçu comme une chaussure de ville et arbore fièrement la virgule Nike à l'avant du modèle. En plus d'être glow in the dark, la semelle est conçue pour un meilleur amorti et une protection maximum contre les chocs grâce à son unité Maxair 360 degrés. La combinaison de ces deux technologies en fait un modèle parfait pour les joueurs puissants. La technologie Flyware utilise des fibres de nylon extrêmement résistantes et ultra légères, ce qui permet un excellent maintien du pied. Le chiffre 828 qui se trouve du côté intérieur de la languette correspond aux 82 matchs de saison régulière et aux 28 matchs pour arriver au titre de champion NBA. Le détail qui a retenu mon attention sur ce modèle, c'est le swoosh situé au talon de la basket, qui confère un style unique à cette chaussure lifestyle. En résumé, LeBron James s'est impliqué de A à Z dans la conception de ce modèle, du design au coloris jusqu'aux technologies, car il voulait en faire une paire performante. Mais le buzz allait en décider autrement. Inutile de vous dire qu'aujourd'hui, pour vous la procurer, il faudra débourser plus de 1000 euros. Voilà, on en a fini avec ce petit tour de la LeBron 8 South Beach. Nous, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel unboxing. D'ici là, restez connectés sur les réseaux sociaux. Dailymotion, Facebook, Twitter, parlez-vous sneakers, portez-vous bien et rockez vos kicks.